Donc là, il s'appelle la C44. Il conserve la dénomination du coup de Sauber, c'est bien. Rip ou Fun Mercedes, ils auront une voiture verte comme ça. Unleashed. Allez, ça va commencer ce reveal. Oulala. Un pneu. On voit rien. Pourquoi il y a une caméra qui va loin là? C'est fort le son en plus. Oh genre. Ok. Elle est toute noire ou quoi? Ah non mais il n'y a pas de couleur surtout là. Ah ça y est d'accord, ok. Ah ouais, du vert. Du vert, toujours plus. Alors, on a vu un bout d'aileron vert. Il s'agirait de tout voir, du coup. Ah ouais, non, si Marco tout seul qui commande Red Bull, ça va être compliqué, j'avoue. Ah, ça y est, ils enlèvent les petites barrières. D'ailleurs, on se demande pourquoi il y avait des barrières, en vrai. C'est étonnant. Ils avaient peur qu'un fan pète un plomb et découvre la voiture. And then showing the world what you got. It's time for a new movement. Allez, c'est parti. Tear down your walls. C'est long, ouais, putain. On a perdu 2 minutes là déjà. Hein. Allez, Valtteri, allez, Joe. Découvrez-moi cette voiture. Oh là là. Ah mais... Ah ouais, c'est bien vert. Hein. Mais pas tant que ça. C'est juste que c'est très flashy, donc on voit bien la voir. Oh là là, ouais, c'est... Allez. Ok. Sur le dessus, ça choque. L'aileron avant est tout vert, quoi. Le gros K sur l'avant de Kick. For me, it's amazing. The colors really aggressive, really distinguished. I think that this is a testament of intent. Ouais, bah, oh là, ouais, ça fait une forme bizarre sur l'arrière, là. Ok. This car will be really, you know, something different. Je sais reconnaître une voiture qui passe pas en Q2. Oui, il semblerait, hein, je pense que... J'étais sûr qu'elle serait horrible. Ça pue que les yeux, pas possible. Je trouve que la séparation entre le vert et le noir est bizarre. Oui, je suis d'accord, ouais. Bon, encore une fois, faudra voir ce que ça donne à la lumière du jour. Parce que là, bon, c'est la lumière des studios, des projecteurs, etc. Mais lumière du jour, ça peut rendre encore moins bien ou mieux. Donc on verra, mais il va falloir attendre pour ça, malheureusement. Ce qui choque le plus, c'est l'aileron avant tout vert. C'est assez particulier, je trouve. Bon, après, on se doutait que ça allait être vert, hein, vu que Kick, le thème, c'est vert. Ils n'allaient pas mettre ça rouge ou comme alpha ou, je sais pas, violet, non. C'était sûr que ça allait être vert, de toute façon. Mais ouais, c'est vrai que... Bon, sur les pontons, il n'y a pas trop de vert, pour le coup. Pour bien faire ressortir le steak. Tu pensais qu'elle serait plus belle que l'alpha, mais avec le vert, c'est pas le cas. Ouais. Ouais, bon, en attente de voir quand même sous la lumière du jour ce que ça peut donner. Ouais, sur le capot moteur, ça fait une espèce d'escalier, c'est bizarre. Ouais. Bon, bah, j'arrête l'enregistrement YouTube là. Dis-moi ce que vous en pensez sur YouTube là, du coup. Est-ce que vous aimez ou pas?